Bonsoir, grand chef. La fonction numérique du film sur R plus R grand F du X est égal à l'intégrale du X jusqu'à 2X F de T du T. Montrant que grand F est dérivable sur R étoile, sur R plus. Bon, on a, quel que soit X appartenant à R plus, F est continu sur l'intervalle X plus X, car F est continu sur R plus. Et comme les fonctions U qui a X associé de X et V qui a X associé X sont dérivables, sur R étoile, alors, la fonction grand F est dérivable sur R étoile plus. Voilà pour la dérivée. B montre que F prime droite de 0 est égal à 0. B montrant que F' droite de F est égal à 0. Bon, on a F et continue sur l'intervalle X plus X, quel que soit X appartenant à R plus. Donc, d'après le théorème de la moyenne, il existe au moins un CX appartenant à X plus X, tel que intégrale du X jusqu'à 2X, F de T, pardon, F de T du T est égal à 2x moins x, f de cx. Il existe donc un cx appartenant à x de x, tel que intégrale de x de x, f de t, du t, est égal à x, f de c de x. Donc, limite de grand F du X moins F de 0 sur X moins 0 quand X tend vers 0 plus
égale à 8, de l'intégrale de x jusqu'à 2x, f de t du t, moins f de 0, c'est 0, intégrale de 0 jusqu'à 0, intégrale de 0 jusqu'à 0, f de t du dt, f de t est positif, intégrale de 0 jusqu'à 0, égale à 0 sur x, quand x tend vers 0 plus x égal, on remplace x par, donc est égal à la limite, du x, f, c'est du x, sur x quand x tend vers 0 plus, on simplifie par x, c'est égal à la limite, de f de c du x quand x tend vers 0 plus. Bon, il te garde donc. Et comme si du x appartient à l'intervalle x plus x, donc si du x est rentré entre x plus x, alors si x tend vers 0 plus, alors si du x tend vers 0 plus, donc limite de f de c du x quand x tend vers 0 plus est égal à la limite de f de c du x quand x tend vers, bon, quand c du x tend vers 0 plus qui est égal donc, bon, f est continu dans 0, donc est égal à f de 0 qui est égal à 0. Alors limite de grand f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à 0 d'où f prime donc pardon. Donc grand f est dérivable est dérivable en 0 à droite, pardon, à droite, et on a f' droite de 0 est égal à 0. Donc, montrons que f' de x est égal à ligne de 2 moins ligne de x sur, pardon, h de x, bon, h de x, pardon, multiplie par h de x. Bon, on a f de x est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x. Bon, f de t du t est égal à l'intégrale de x jusqu'à a. F de t du t plus intégrale de a. Plus intégrale de a jusqu'à 2x. F de t du t. Bon, quel que soit x appartenant à R, plus quel que soit appartenant à R, plus, est égal donc, intégrale de A jusqu'à 2x, f du t du t,
moi intégral de A jusqu'à jusqu'à X, f de t du t, qui est égal donc à f1 u. X moins F1 V du X. Donc, et comme f est dérivable sur grand f, grand f est dérivable sur r plus, et comme alors grand f de x est égal à f en u moins f enlevé prime du x qui est égal à f prime rang u multiplié par u prime du x moins f prime rang v multiplié par v prime du x qui est égal à dérivé du f de f normalement ici c'est f1 alors f1. Bon, et comme F1 est dérivable sur R plus, bon, avec, pardon, on va noter F1 F1 de X est égal à l'intégrale de A jusqu'à X, F de T D de T. Comme F est continu sur R plus, alors F1 est dérivable sur R plus I, quel que soit. X appartenant à R plus, F1 prime du X est égal à f de x. Bon, on va revenir d'où f est dérivable sur r plus, et on a grand f prime du x est égal à f1 rond u moins f1 rond v prime du x. Donc, il est égal à F1 en U de X multiplié par U prime de X moins F prime en V de X multiplié par V prime de X qui est égal à F de 2X multiplié par 2X prime moins F x moins a multiplié par pardon multiplié par x prime. Qui est égal à 1 sur 2x moins h moins les 2x par 2 prime si 2 moins
1 sur x moins l'aide du x. F de x, x moins l'aide du x. Maintenant, on va avoir le dénominateur qui est égal à 2 facteur de x moins l'aide du x moins 2x moins l'aide du 2x. Tu as donc à 2 facteur du x moins ln de x moins 2x moins ln de 2x multiplié par 1 sur 2x moins ln de 2x facteur du x moins ln de x. Qui est égal donc 2x moins de ln de x moins 2x plus ln de 2x sur... Bon, 2x moins ln de 2x n'est rien d'autre que h de 2x multiplié par h de x qui est égal à 2x moins ln de 2x. Ici, ln de 2 multiplié par x. Bon, x est positif, donc on aura moins de ln de x plus ln de 2 moins ln de x. Plus, pardon, sur h de 2x multiplié par h' h de x. Qui est égal à moins de ln de x plus ln de x et moins ln de x. Donc on aura ln de 2 moins ln de x sur h de 2x multiplié par h de x, d'où, quel que soit x appartenant. A R de 3 plus, grand F prime de x est égal à ln de 2 moins ln de x sur h de x multiplié par h de 2x. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Dans la question suivante, bon, la deuxième question. Vérifions que ln de t égale à l'intégrale de x jusqu'à 2x d de t sur t. Bon, on a intégrale de x jusqu'à 2x 1 sur t d de t est égal à c'est pour x différent. Bon, il y a ln intégrale de x jusqu'à 2x ln prime de t de t qui est égal ln de t de x jusqu'à 2x. Bon, pour x différent de 0, intégrale de x jusqu'à 2x, d de t sur t, pardon, est égal à ln de t de x jusqu'à 2x, est égal à ln de 2x moins ln de x qui est égal à ln de 2x sur x qui est égal à ln de 2. Donc ln de 2 est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x d de t sur t.
Montrant que quelque chose avec sa personne aura un plus infini. Bon, la question B, le B. Montrant que pour tout X appartenant, à 1 plus l'infini, je vais t'inférieur à f de x moins ln de 2 qui est inférieur. X moins ln de x. Bon, on a f de x moins ln de 2 est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x, f de t du t moins ln de 2 c'est l'intégrale de x jusqu'à 2x du t sur t qui est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x, f de t moins 1 sur t du t. L'intégrale de x jusqu'à 2x 1 sur t moins ln de t moins 1 sur t du t est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x t moins ln de t sur t moins ln de t du t qui est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x. Bon, t moins t c'est 0, donc il y a ln de t sur t moins ln de t du t. Bon, comme quel que soit t appartenant à 1 plus l'infini, ln de t est supérieur à 0, et d'après ce que précède h de t, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, il est supérieur ou égal à 1, alors ln de t sur t moins ln de t, il est supérieur ou égal à 0. Donc, intégrale de 0, bon, du x jusqu'à 2x, ln de t sur t moins ln de t, du t il est supérieur ou égal à 0, alors f du x moins ln de 2 il est supérieur ou égal à 0. Voilà pour la première inégalité. On va montrer la deuxième. Montrons que f du x moins ln de 2 est inférieur à ln de 2x sur x moins ln x. Bon, quel que soit t appartenant à x de x, on a t inférieur à 2x, d'où ln de t inférieur à ln de 2x
Tag noch funktioniert die Assoziabilität E. Strictement croissant. Et comme la fonction qui est x associé à h, vers la fonction h, et comme la fonction h est strictement croissante sur un plus infini, alors quel que soit x appartenant à un plus infini, si tu appartiens à x plus x, alors t est supérieur à x, cela implique que h du x est inférieur à h du t. Cela implique que x moyenne du x est inférieur à t moyenne du t. Bon, x moyenne du x est supérieur à strictement 1, donc il est différent de 0. On passe à l'inverse, donc on aura l'aine du x est supérieur à 1 sur t moyenne du t. Bon, ces deux quantités sont positives, ils sont strictement croissantes. Et comme l'aine du x est supérieur à l'aine du t, c'est le nombre. Bon, t appartient à x plus x plus x, x supérieur à 1, donc t supérieur à 1. Alors, ces deux quantités sont positives, donc on va faire le produit terme à terme. Alors, bon, ln du 2x multiplié par 1 sur x ln, pardon, moins x moins ln du x, il est supérieur à ln du t sur t moins ln du t. Donc, cela implique
Bon, F2. Cela implique l'intégrale de x jusqu'à 2x, ln du 2x sur x moins ln de x, du t est supérieur à l'intégrale de x jusqu'à 2x, ln du t sur t moins ln du t du t. Bon, cela implique ln du 2x sur x et ln du 2x sont indépendants de t. Donc on aura ln du 2x sur x moins ln de x multiplié par l'intégrale de x jusqu'à 2x à multiplié par du t est supérieur à f du x moins ln du 2. Bon, cela implique que ln de 2x sur x moins ln de x et si c'est t prime, pardon, t prime du t supérieur à f de x moins ln de 2, cela implique que ln de 2x sur x moins ln de x, c'est t de x jusqu'à 2x. Bon, on va refaire la démonstration d'une inégalité. Bon, on va montrer cette inégalité. On a H strictement
60 sur 1 plus infini. Bon, ici, quel que soit x appartenant à 1 plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, tu appartiens à x plus x. Cela implique que tu le comprends entre x et 2x, d'où nous avons deux choses. Bon, x supérieur, t supérieur ou égal à x, et t inférieur à 2x. Bon, cela implique que h de x est inférieur à h de t, car h est strictement croissante, et l'aide de t est inférieure à l'aide du x, car la fonction n est croissante. Cela implique que x moins l'aide de x est inférieure à t moins l'aide de t, x multiplié par x moins l'aide de x est inférieur à t facteur de t moins l'aide de t, car x est inférieur ou égal à t. Bon, on a fait le premier, bon, alors. Alors, 1 sur x facteur de x moins l'aide de x est supérieur à t facteur de t moins l'aide de t. Bon. Les deux membres de cette inégalité sont strictement positifs. Donc, par passage à l'inverse, on aura. Bon, cela implique. Et comme, pardon. L'aine du plus x est supérieur à l'aine du t. Alors, bon. Les membres de ces inégalités sont tous strictement positifs, donc on va faire le produit thermique. Donc ln de 2x sur x facteur de x moins ln de 2x, bon, ln de x pardon, est supérieur à ln de t sur t facteur de t moins ln de t. Bon, cela implique que l'intégrale de x jusqu'à 2x, ln de 2x sur x facteur de x moins ln de x, dilutée, pardon, la variable c, t, il est supérieur à l'intégrale de 0 jusqu'à 2x, ln de t sur t facteur de t moins ln de t dilutée. D'où pardon ici, donc ln de 2x sur x facteur de x moins ln de x, intégrale de x jusqu'à 2x multiplié par 1 si t prime diluté supérieur, et si cette quantité n'est rien d'autre, bon, de x jusqu'à 2x. Cette quantité n'est rien d'autre que f du x moins l'aide de 2. Pardon. Supérieur à f de x moins l'aide de 2.
implique, si tu crois que tu es itinérant dans le calcul de x sur x facteur de x moins ln de x, 2x moins x, x, f de x, moins ln de 2. Moins 2x moins x, c'est x, on va simplifier par x, cela implique que ln de 2x sur x moins ln de x supérieur à f de x moins ln de 2. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, on a d'une part f de x moins ln de 2 est supérieur à 0 et d'autre part est inférieur à ln de 2x sur x moins ln de x. Voilà. Bon, voilà pour la question B, maintenant pour C. La question C. On déduit la limite du divisant, limite du grand f de x quand x tend vers plus infini. Bon, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, on a 0 est inférieur à f de x moins ln de 2 qui est inférieur à ln de 2x sur x moins ln de x. Donc, limite. Quand x tend vers plus infini de 0 est inférieur à la limite de f de x moins ln de 2, quand x tend vers plus infini qui est inférieur à la limite de ln de 2x sur x moins ln de x, quand x tend vers plus infini qui est égal. Implique. 0 inférieur à la limite de f de x moins ln de 2 quand x tend vers plus infini qui est inférieur à ln de ln de 2x sur x. Bon, on va multiplier ici par 2, on divise par 2 quand x tend vers plus infini sur 1 moins limite de ln de x sur x quand x tend vers plus infini. Bon, comme c'est une limite, ln de 2x sur 2x quand x tend vers plus infini et ln de x sur x quand x tend vers plus infini vaut 0, alors cela implique que 0 est inférieur à la limite de f de x moins ln de 2 quand x tend vers plus infini est inférieur, ici c'est 0, 0 sur 1 moins 0 qui est égal à 0, donc limite de f de x moins ln de 2 quand x tend vers plus infini est égal à 0, cela implique que limite de grand f de x quand x tend vers plus infini est égal à ln de 2. Bon, la limite c'est ln de 2. Bon, la question suivante, la question 3. Montrant que f de 1 demi est inférieur à ln de 2. Thank you.
Banc 3. La question 1. Banc 32. F de 1,5 est inférieur à 1,2. Banc 1. F de 1,5 moins ligne de 2 est égal à intégrale qui est égal à 1,5 jusqu'à 1, f de t, si 1 sur t moins ln de t, d de t, moins intégrale de x jusqu'à 1,5. Donc on va prendre x est égal à 1,5. 1,5 jusqu'à 2 multiplié par 1,5, c'est 1, donc 1 sur t, d de t. T est égal à l'intégrale de 1,5 jusqu'à 1. T moins t moins ln de t sur t facteur de t moins ln de t d de t. Qui est égal à l'intégrale de 1,5 jusqu'à 1. Bon, t moins t, c'est 0. Donc ln de t sur t, t moins ln de t. Voilà, et comme quel que soit t appartenant, pardon, quel que soit t appartient à 1, bon, à 1,5, 1, pardon, 1,5, 1, bon, t est supérieur sélectivement à 0, et le du t est négatif, donc t facteur de t moins ln de t est sélectivement positif. Car si ln de t est négatif, moins ln de t est positif. Donc t plus le moins ln de t sera positif. Multiplié par t, donc il sera positif. Alors, ln de t sur t facteur de t moins ln de t, c'est une quantité qui est négative. D'où, intégrale de 1,5 jusqu'à 1, ln de t sur t facteur de t moins ln de t, est inférieur à l'intégrale de 1,5 jusqu'à 1,0 d de t. Bon, si 1,5 jusqu'à 1, ln de t, pardon, ln de t sur t, facteur de t moins ln de t d de t, est inférieur à l'intégrale de 1,5 jusqu'à 1 avec c' est constante. Donc c'. Sur la technique de l'intégrale de 1,5 jusqu'à 1, ln de t sur t facteur de t moins ln de t d t est inférieur à c de 1,5 jusqu'à 1 qui est égal c moins c, car c est constante, qui est égal à 0.
bon sur la République. Bon, si de quantité n'a rien d'autre que f de 1,5 moins ligne de 2. Il est négatif sur la République que f de 1,5 est inférieur à ligne de 2. Voilà ce qu'on cherche à démontrer. Montrons que B qu'il existe un alpha appartenant à 1,5 tel que f de alpha est égal à n de 2. Bon, à chaque croissante, en effet, il est dérivable, car f est dérivable, il est du site constant, qui est égal à f' de x, et f' de x n'est rien d'autre que ln de 2 moins ln de x sur h de x, facteur de h de 2x. Bon, f' de x est égal à 0 est équivalent à ln de 2 moins ln de x est égal à 0, est équivalent à ln de 2 est égal à ln de x. Bon, on entre dans l'exponentiel, donc x est égal à 2. X, 0, 2, plus infini, h prime du x, h du x, x inférieur à 2 est positif, ici négatif, donc il est croissant. Et comme l'intervalle 1,5 est inclus dans 0,2, alors h est strictement croissante sur 1,5, car elle est croissante sur 0,2. Bon, et comme h de 1,5, bon, nous avons 1,5 inférieur à ln de 2 est égal à f de 1,5 moins ln de 2, cette quantité est négative. Et f de 1 moins ln de 2, cette quantité est positive, car quel que soit x appartenant
Alors tu vois, A plus infini, f de x moins ligne de 2 est positif. En particulier pour x égale à 1. Donc, h de 1 demi multiplié par h de 1 est inférieur ou égal à 0. Alors, d'après le théorème, des valeurs intermédiaires il existe un alpha appartenant à 1 demi 1 tel que h de h de alpha est égal à 0. Tel que h de alpha est égal à 0 est équivalent à l existant appartenant à l'intervalle 1 demi 1 tel que f de alpha moins ligne de 2 est égal à 0, c'est-à-dire f de alpha est égal à ligne de 2. Quatrième question, dressant le tableau des variations de la fonction f. Soit x appartenant bon à 1 étoile plus f prime de x est égal à l de 2 moins l de x sur h de x multiplié par h de 2x. Bon, le signe déjà étudié dans le projet de x. Donc, le résultat est suivant. Donc, on aura le résultat suivant. X. 0 plus infini de grand f prime de x f de x et le positif ici le négatif ici donc et les croissants pendant grand f de 2 et les décroissantes quand x tend vers plus infini, si ligne de 2 au voisinage de 0, c'est 0. Bon, nous avons f de 1. Il y a des résultats qui sont donnés. F de 1, c'est 0,9. Et f de 2. F de 2, il est égal à 1,1. C'est à peu près 1,1. Donc, on va tracer la courbe grand C du F dans un repère orthonormé. Pardon.
On est du 2 sites à peu près, 0,7. 0,7, si, quelque part ici, pareil. Bon, 0,1, ici, donc 0,1 serait quelque part ici, c'est l'image du 2. Limite, bon, f', la fonction continue. Et le segment croissant sur l'intervalle 0, 2. F', droite de 0 est égale à 1. Donc il a mis le but en angle horizontal ici. Donc la fonction. Est égal à ligne du 2. Donc la droite d'équation régulière est égale à ligne du 2 est une asymptote assidue. Ligne du 2 ici, pardon. On a y est égal à ligne du 2 est une somme toute assez de grandeur au voisinage le plus infime. Voilà cette question. On considère la fonction g définie sur 1 plus infini par. Donc.
Bon, la cinquième question. Dans la cinquième question, on considère la fonction g définie sur 1 plus infini par montrant que qu'il soit x appartenant à 1 plus infini g du x est supérieur à 1 demi ln du x au carré. On a t moins ln du t qui est supérieur ou égal à 1. Que le soit t appartenant à 1 étoile plus. Soit t appartenant à 1 plus infini. Et comme ln de t est positif, quel que soit t appartenant à 1 plus infini, alors moins ln de t est négatif, quel que soit t appartenant à 1 plus infini. Donc, t moins ln de t est inférieur à t plus 0. Cela implique, bon, c'est quantité, cette quantité est positive car elle est supérieure à 1, donc 1 sur t moins ln de t est supérieur à 1 sur t. Par passage à l'intégrale, si mon t est positif, x est supérieur à 1, donc cela implique que l'intégrale de 1 jusqu'à x, 1 sur t moins ln du t dit de t est supérieur à l'intégrale de 1 jusqu'à x ln du t dit de t. Bon, 1 sur t par 1. Pardon, on va multiplier par ln de t, le nombre de cette égalité. Bon, cela implique ln de t positif, donc on aura ln de t sur t moins ln de t supérieur à ln de t sur t d de t. Pardon. Donc, par passage à l'intégrale, cela implique que l'intégrale de 1 jusqu'à x, ln de t sur t moins ln de t d de t est supérieur. L'intégrale de 1 jusqu'à x, ln de t sur t d de t. Cela implique que g de x est supérieur
intégrale de 1 jusqu'à x, 1 sur terrain de rien d'autre que ligne prime de x, ligne du x, d du x, cela implique que g du x, il est supérieur à l'intégrale de 1 jusqu'à x, 1 demi ligne de x au carré, de 2 prime d du x. Cela implique que g du x il est supérieur à 1 demi ligne de x, pardon, c'est ligne de t. T prime t d du t, ligne de t, pardon. Bon, on va passer à la pause.